Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar El Bled de Hassan Atlemsen. En Algérie, l'affaire Bouraoui continue de faire parler d'elle. Amira Bouraoui a sauvé sa tête, mais les autres, les victimes qui ont été accusées pour se venger de cette affaire, un verdict désastreux ce 31 octobre. C'était hier au tribunal de Constantine où les juges ont vidé toute cette affaire de sa substance pour s'acharner contre des innocents qui n'ont strictement aucun lien direct ou indirect avec les activités politiques d'Amira Bouraoui. Le parquet de Constantine a requis de lourdes peines à l'encontre du journaliste Mostafa Benjamah et de ses co-prévenus incarcérés dans cette affaire dite Amira Bouraoui. Un verdict désastreux, 10 ans de prison ont été requis contre Amira Bouraoui, assorti d'une amende de 1 million de dinars d'amende et le lancement d'un mandat d'arrêt international, 5 ans de prison ferme. 500 000 dinars d'amende ont été requis par le parquet à l'encontre de l'agent de police des frontières, Ali Tagaïda, en détention, 3 ans de prison ferme et 300 000 dinars d'amende ont été requis par le parquet contre le journaliste Mostafa Benjamah, Jamal Miyassi, le chauffeur de taxi, et Yassine Ben Tayeb, le cousin d'Amira Bouraoui, tous les trois en détention, ainsi que contre Khadija Bouraoui, la maman d'Amira Bouraoui, sous contrôle judiciaire. Toutes ces personnes n'ont joué aucun rôle dans l'évasion d'Amira Bouraoui, un procès très politisé. Et encore une fois, le régime algérien des caporaux insiste à briser la vie de plusieurs citoyens innocents. Il restera pour l'éternité comme une tache noire dans l'histoire de la justice algérienne. Le régime algérien, depuis qu'il a été installé en 1962 à la tête de l'État fonctionnel de l'Algérie, un État créé sur mesure par la France pour semer la haine et semer la zizanie et ruiner les peuples, le peuple algérien est complètement en ruine. Et voilà qu'on continue à condamner des gens très innocents en détruisant leur vie. Combien d'affaires Bouraoui il y en aura encore, et combien d'incendies et de tueries de Jamal Ben Smaïn y en aura encore. Des occasions pour le régime algérien pour accuser des innocents et les condamner pour des peines lourdes, la plupart d'entre eux des prisons à perpétuité, et ceux qui n'ont pas de la chance, une condamnation pour la peine capitale qui leur prive leur vie. Un massacre, un grand massacre qui continue et qui ne s'arrêtera certainement que s'il y a un autre Hirak, un grand Hirak, une grande descente du peuple algérien dans la rue pour chasser ces caporaux installés par la France pour sucer le sang du peuple algérien. Merci de votre suivi. Restez branchés sur votre chaîne Akhbar El Bled de Hassan Atlemsen. Nous reviendrons à chaque fois que ça le mérite. Je voudrais seulement vous rappeler que votre chaîne Akhbar El Bled de Hassan Atlemsen a énormément besoin de votre soutien pour faire face à ses détracteurs et à ceux qui luttent pour la faire disparaître auprès de YouTube. Soutenez la chaîne en cliquant j'aime sur toutes les vidéos, en laissant des commentaires, mais surtout en vous abonnant et en vous adhérant à la chaîne si vous avez les petits moyens de vous adhérer. Avec 3 euros par mois,
N'hésitez pas à vous adhérer à la chaîne, ça augmentera les chances de la chaîne de résister à ses détracteurs en Algérie, ceux du pouvoir dictateur militaire qui voudraient la voir disparaître.